Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pris une patate, de l'intro je fais une patate. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendez depuis très longtemps. Les gars, on vous l'a promis depuis deux ans. Une vidéo qu'on a peur de tourner. Ouais, c'est vrai qu'on a eu peur d'arriver à ce jour là. On a trop peur de la faire parce que les gars, aujourd'hui c'est le grand jour. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le pile ou face de l'extrême. Expliquons les règles, mon petit Mich, qu'est-ce que c'est le pile ou face de l'extrême? Inox, tu veux que j'explique? Allez vas-y, explique. Mon petit Inox, le pile ou face de l'extrême c'est très simple. Nous avons une pièce, vous connaissez tous le jeu, pile ou face. Tu dis pile, ça tombe pile, t'as gagné. Tu dis pile, ça tombe face, t'as perdu. Voilà, c'est 50-50. Voilà, exactement. Donc, si tu proposes un défi, un de nous deux sera obligé de le faire. Voilà, vous avez compris le concept. Je sais pas si les gens ils ont vu, on est à Dubaï. On est à Dubaï, c'est vrai qu'on l'a même pas dit. Parce que ici, on peut faire un peu des trucs de l'extrême. Ici, voilà. C'est un peu dans l'abus. Du coup, on tient à remercier quand même Rhinoshield. Mec, le voyage à Dubaï, c'est quand même. Eh, ils nous ont quand même bien aidé, les gars, pour tout organiser. Et il y a des je crois qu'il y a des activités. Qui demandaient un peu d'argent. Bien sûr, les gars, quand on fait des défis avec notre argent, c'est personnel. C'est notre argent personnel. Ouais, c'est pas Rhinoshield qui paye. Rhinoshield paye tous les... De toute façon on précise quand c'est l'autre qui paye. Voilà, on précise quand l'autre payera. En tout cas on tient à remercier Rhinoshield. Je crois qu'avec le code pile il y a moins 10% en plus. Voilà, avec le code pile n'hésitez pas à aller. Regarde, ta Dragon Ball Z elle est incroyable, je te la donne celle-là. En plus je sais que tu kiffes sans pendant... Ah, par contre c'est que pendant 2 jours. Ouais. Donc faut pendant 48 heures. Et sur la vidéo de Michou elle sort à 11h15 demain. Il y aura peut-être un autre code pendant 2 jours. Il y aura peut-être un autre code, on verra. Non, il y aura un autre code pendant 2 jours. Et voilà, bah voilà, Kok Madara Naruto, ils ont fait la collection One Piece. Mais elles sont incroyables. Mais celle-là elle est incroyable. Je te la donne, vas-y prends-la. La Dragon Ball, je sais que tu kiffes ça. Elle est incroyable. Il y a même Marvel, Harry Potter, il y en a plein. Encore merci à Rhinoshield pour votre aide, pour votre confiance, pour cette vidéo. Et franchement, les gars, je l'ai bien eu. Je ne sponsorise pas souvent des vidéos, mais franchement, je suis content qu'ils aient confiance en nous. Parce que là, cette vidéo, les gars, si on la sponsorise, c'est pour que ça soit une bonne vidéo. Quoi. Voilà, exactement. Là, franchement, c'est pas pour faire des lol. Sur ce, les gars, pile ou face? Oh, ça, face, ça c'est face. Pile. Ok, moi je dis pile. Pile, vous mettez tous un pouce bleu. Donc pile, c'est si ça atterrit comme ça. Ok, 1, 2, 3. Pile, tous un pouce bleu. Allez, tout le monde un pouce bleu. Go, ok, vas-y. Je colle. J'annonce 500 000 pouces bleus sur les deux vidéos. Aujourd'hui et demain à 11h25 sur la chaîne de Michou. 11h15 sur la chaîne de Michou. Il y a 500 000. On fait épisode 3 encore pire que celui-là. Avec les défis des abonnés. Donc dans les commentaires, vous mettez votre pire défi. Ça peut être du saut en parachute. Ou ça peut être de tout, mais je crois que le saut en parachute, on va peut-être déjà le faire. On va peut-être déjà le faire. Il y a peut-être moyen qu'on le fasse déjà dans les vidéos. Non, les gars, vous prenez que des défis qu'on n'a pas fait sur le pire au meilleur, l'extrême. Qu'on n'a jamais fait. Par exemple, là, je te dis ta pire phobie, le truc que tu pourrais jamais faire. Manger une araignée. Voilà, mettez des trucs de tarlé ouf. Épisode 3, il sera encore plus fou que celui-là. Et déjà que là, dans les deux épisodes. Là, c'est déjà. On a fait des trucs quand même un peu dans l'extrême. Ouais, là, c'est vraiment l'extrême. Sur ce, bonne vidéo à tous. On commence avec le premier pile ou face. Let's go! Les gars, on est devant les jet skis. Mec, là c'est chaud. Là, on est devant des jet skis. On va faire un petit pile ou face. Il y en a un de nous deux qui va passer un bon moment. L'autre, un pas très bon moment. Et en fait, il y a Pauline qui est avec nous. Elle va aller à deux à l'heure sur le jet ski. T'en as un qui va monter avec elle. Et t'en as un qui va bomber. Derrière elle, il va se faire trop chier. Oh là. Viens, on présente Pauline. On présente Pauline. Les gars, on n'a pas présenté Pauline. Pauline, tu vas bombarder? Non, pas du tout. Mais vraiment hyper lentement, on fait une petite promenade de digestion. Genre, ça a été éclaté. C'est pas du jet quoi. Ça va être éclaté. C'est pas du jet. Avec une pièce de 20 centimes. Je me demande pas pourquoi, j'avais pas pu. Fais voir. 20 centimes. 20 centimes. Mais gros, t'es vraiment le plus gros des rats. J'avais que ça en venant. J'avais que ça. Gros, donne une vraie pièce. Non, c'est vrai que 20 centimes, j'ai abusé du bail. Pile ou face? Je te laisse le choix. Face. Face. Ok. Oh, je stresse ça, mec. Donc face, je fais. Face, c'est toi qui fais. Attention. C'est face ou pile? C'est face! Non! C'est face! Mais putain, mais non, j'ai trop de ça! Mais tu sais que je le savais! Mais tu sais que je le savais que ça! Mais je le savais, j'ai trop la haine! Pile, c'est le numéro! Oh, mais j'ai trop la haine! Bon, bah les gars, c'est carrément parti! Mais on part dans le jet! Wesh! Oh là là, mais non, attends! Non, t'abuses du bail! T'abuses du bail! Oh là comment je suis poilu! Oh, ce corps d'Apollon! Là, c'est plus le Inox mexicain! C'est plus le Inox tout frêle! C'est que le mec, il est trop nerveux! Mais. Maintenant il va faire 2 mois de MMA, tu vas voir. Fais défi MMA maintenant. Je vais l'allumer. Bon, c'est parti, let's go. Tu montes derrière Pauline. Oh, moi ça va être claqué, les gars. Là, cet instant présent, j'ai le seum. Oh, gros, t'es pas vrai, je crois. Oh le bâtard, mec, t'es bien là. Hey, Nox, on se rejoint, on bombarde, on se rejoint. Tu me rejoins tout seul, hein, parce que moi je vais pas bombarder là. Hey, les gars, on va pas tricher, hein.
quand je vous dis on va pas tricher, c'est que même hors vidéo, ouais, je triche pas. Même quand Inox coupe la GoPro, je vais bien faire attention. T'inquiète. Oh là 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 là, le V8, le V8. Je promets que tous les pile ou face seront respectés de A à Z, sur ta vidéo comme sur ma vidéo. Je promets sur tous les pile ou face respectés de A à Z, sur ta vidéo comme la mienne. Parfait. Oh putain, wesh, wow, wow, wow. Oh, il m'a fait peur. Bon, Pauline, c'est comment là? Dis-toi, là, on va être à 7 à l'heure tout le temps. Ouais, c'est pas mal, non? Ah, franchement, c'est pas mal, hein. Non, mais on profite du paysage. Y a pas de paysage du tout, là. Hey, Inox, tu vas être à cette vitesse-là tout le long. C'est ce que je viens de dire. Ah, fils de... Let's go. Let's go. Arrête, arrête, arrête. Purée, mais t'es chiant. Ah, arrête, wesh. Mais Mehdi, tu casses les couilles. Oh, j'ai hâte de bombarder. Hey, je suis trop content d'avoir gagné le défi. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Regardez le moelleux, il va taper un sprint. Oh, c'est bon, bah, franchement, on va vite, hein. Franchement, c'est lourd, le jet. Hey, ils sont déjà au bout. Ah, le bâtard, il va nous narguer. On va trop vite, on est à 7 km/h. Ah, on doit rester à cette allure-là. Regardez, il est où, Michou? Ah, il est là. Ah, le bâtard. Wesh, le ref, ça va ou quoi? Pas grave, les gars. On a perdu ce défi pour en gagner des meilleurs. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. Hey, non, j'espère que tu passes un bon moment. Hey, moi, pas le droit de tricher, les gars. Même hors cam, je ne tricherai pas, je l'ai juré. Ça va et toi, Pauline? C'est quoi ton snap? Ah les gars, faut rentabiliser là! Ah oh le chien! Quelle balle! Moi j'ai volé! Par contre, c'est magnifique. En vrai de vrai, c'est magnifique. Mec, dis-toi, mes cheveux ils bougent même pas! C'est mal la plage qu'on a vue il y a 20 minutes, on est encore à côté là. On est encore à côté de la plage. Au moins il y a la vue, hein. Ouais. On est pas bien là, Pauline? Oh le bâtard, j'ai trop froid aux couilles. Oh les gars, il m'a aspergé. Facial. Je l'ai pas dit fort du tout, elle a entendu direct. Casse-toi! 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 Oh les bâtards! Oh elle est tombée! Oh elle est tombée! La tête de Rémi, elle est tombée! Sale merde! Eh gros! Eh non, mais c'était trop bien! Eh, j'ai bu la tasse, c'était trop bien! Oh elle est tombée! Ah elle est tombée! Chat! Chat! J'ai voulu te narguer. C'est l'activité la moins rentable du séjour, je pense. Depuis tout à l'heure, il nous regarde le moniteur et il se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Engueule-le, engueule-le, engueule-le. Arrête! 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 Ça fait mal à ma fille! Arrête! Casse-toi, va là-bas! Barre-toi, je te protège! Let's go! C'est ça, un mal alpha! Let's go, mal alpha! C'est fini, les gars! Bon, bah, les gars, c'est terminé, on rentre! Là, on attend qu'ils reviennent nous chercher, mais voilà, j'ai pas bougé, je suis à 2 km depuis tout à l'heure. Les gars, me demandez pas comment j'ai fini là. Les gars, je suis tombé et il y a l'autre là. Il est tombé sur le jet aussi. Eh, mais dis, il y a plus de jet si Pauline, elle est partie, elle grince. Du coup, moi, bah, j'ai plus de jet. Je suis en plein milieu de l'eau. Et là, il est en train de réparer le jet ski. Je voulais tester un peu le jet. Du coup, je lui ai dit, bon, vas-y, je monte avec lui là. Je suis monté à l'arrêt. Hein. Il a réussi à tomber. Eh, même à l'arrêt, tu tombes. Bon, merde, on vient de finir la session de jet ski. T'as kiffé le jet ski là? Mec, c'était éclaté.
Bon les gars, nouveau pile ou face. Là c'est un pile ou face, j'arrive pas à savoir si c'est bénéfique ou négatif. Moi aussi. Parce que mec, là derrière, il y a une fausse tarlée ouf. Mais t'es déjà en plongée là, 40 mètres. Ah, c'est la taille d'un Boeing 777. Ah ouais. C'est déjà un Boeing. Regardez les gars, la fausse. Il y a une fausse tarlée ouf. On voit même pas le fond. Inox, j'ai la pièce. Pile ou face. Pile ou face. Prends pile. Donc là si je prends pile, c'est moi qui fais. Ok, donc c'est bénéfique. Tu juges que c'est pas. Dans ces cas là. Donc ça veut dire les gars là, moi je suis un peu entre j'ai envie de le faire et pas envie de le faire. Donc en vrai de vrai, moi j'ai pas. Est-ce que c'est moi qui vais faire? Est-ce que c'est toi qui vas devoir passer ton open water? Oh, mais c'est toi qui fais, frère. C'est moi qui fais. Ah bah oui, mais toi t'es content. Mais ah oui, mais non. Moi je suis rassuré. En vrai, moi les gars, je vais être honnête, je suis entre le content et pas content. Ça y est, c'est le moment. T'es ma frère. Oh. T'es moi. C'est ça. Oh oui, c'est un babif. Oh, j'ai trop hâte d'y aller en vrai de vrai. Ah, il teste la taille. I think it's good. Faire ta tronche. Ah, c'est pas mal, hein. Belle carré. Tronche. On dirait, on dirait une mouche géante. Oh, ouais, de ouf. Oh là là. Et là, tu vas mettre ça là, ouais. Oh. Et en vrai, c'est mon rêve un peu de mettre une bouteille de plongée. Ah ouais. Faut que tu passes ton baptême. Hein. T'as l'air incroyable. Pas ton baptême, ton open water. Putain, j'avoue. Mais là, en fait, là j'ai trop le seum. Là, t'as le seum. Là, j'ai envie. Hey, je te jure que. Là, j'ai envie de payer pour aller avec toi. Ah ouais. Alors que j'ai pas le droit. Mais gros, la vie. J'avais pas envie de pisser, mais je crois que je vais aller pisser. Oh, ouais, j'ai une douche. Viens. Viens. Le savon, il est où le savon? Coupe la caméra. Ah, okay. Ah. Oh, le savon, ça y est. J'ai coupé. Wesh. C'est comment? Est-ce que je suis sexy là? Dans ton petit truc moulant là. T'as fait un petit cul. Ah ouais? Ouais. Toi, c'est vrai que sur le lancer extra, t'as un gros boule. Non, moi j'ai un gros boule à côté. Hein. En vrai, tu te sens comment en vrai? En vrai, je flippe un peu quand même. Parce que c'est... les gars, c'est vraiment pas rassurant. Tu sautes, il y a un trou géant là en dessous. En fait, c'est le trou qui fait bader. Le trou, il fait bader gros. Tout le reste, ça a l'air stylé, gentil quand t'es dans les pieds. Ouais, 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 ouais. Mais le trou, gros. Le trou, il fait bader. En fait, tu vois pas le fond. Bon, ouais, ouais, mais ouais. C'est normal. Mais what the fuck, bro? Ouais, attends, on dirait vraiment une piscine normale. Mais attends, là, tout d'un coup, je suis en mode. Ah bah, c'est bon, on est retourné à la vie normale. Bon, mais j'avoue qu'on dirait vraiment une piscine normale. Là, c'est bon, on est piscine municipale, les gars. Allez, 10 mètres, allez, retour. Allez, c'est parti. Oh là là. Ça va être le moment. On y va? Michou, on se voit à travers les vitres, les gars. Tout le monde se dit au revoir. Urbex, c'est parti. Je vais tout vous filmer. Mais non, qui voit l'âge? Ah, je suis mort. Viens me checker. Oh, le check nul. Et il a l'air de kiffer, hein. Putain, je suis mort. Et il est en train de partir tout en bas, Inox. Je te jure, je sais pas ce qu'il fait, là. Ah non, il y va pas. Il se met au-dessus pour voir. Il tâte le terrain. Et n'empêche, il y a personne qui ose se mettre au-dessus, en vrai. Oh, Inox, il va au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il y va? Oh, ils y vont. Ça y est? Ils vont encore plus loin. Wouah, mais hey, là, ils sont vraiment très, très profonds. Ah mais oui, il est là lui. Regarde le ce bouffon. J'adore, Clément, il va aller jouer au billard. Vas-y. Eh hey, mais ça marche vraiment. En vrai il a l'air de kiffer hein. Ça se voit il kiffe. T'es mal le check. T'es mal la tête qu'il a. T'es mal. Eh mais j'avoue on dirait pas. T'es lui. On dirait pas lui, on dirait pas sa tête. Ah le bâtard. Il a cramé. Il nous filme. J'ai pas
pas si vous entendez ma voix là, mais j'ai une voix aiguë de ouf. Et c'est incroyable la tête de Wang, c'est trop drôle. Regarde, mais il fait quoi? Il fait des photos avec Playmobil. Il y a des glaces dans l'eau, mais frère, tout à l'heure je demandais une glace, il y en a ici. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'emmerde. Ah ouais, ah, le bâtard! Il dit quoi? Hein? Je t'emmerde. Hein? Putain, j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Moi je comprends tout, moi. Quoi? Mais il faut coller ton oreille. Ah, mettez un pouce bleu! Mettez un pouce bleu! Ouais. Aïe aïe aïe, on est de retour à la piscine. Inox, on t'attend. Ah, chico. Alors, c'est comment? Mec, c'est de la frappe sa mère. Ah ouais? Eh gros, ça avait l'air incroyable. Eh mais gros, ça incroyable. On dirait plus toi là. Hein? On dirait plus toi là, ta tête. Ah ouais? Aïe aïe aïe. Mais il sort de l'eau, tel un prince. C'est bon, on a réussi, on l'a fait. T'en as pris de la graine. Moi, j'en ai pris de la graine. Ouais. Ah, c'était vraiment d'art. Hein. C'est le moment de dire prochain pile ou face. On passe au prochain pile ou face. Let's go. On se retrouve, je sais pas où, mais on se retrouve pour le prochain pile ou face maintenant. Les gars, c'est le moment le plus important parce que là, c'est le pile ou face peut-être le plus dur de cette vidéo. Je vais regarder Michou, on va se comprendre directement. On va vous dire juste après c'est quel, mais là, je dois lui dire que c'est le moment de tirer pile ou face parce qu'on va devoir y aller là maintenant. C'est le moment? Il a direct compris les gars, je vous l'avais dit, c'est clairement le moment mon ref. On va faire le pile ou face. En parachute. Mais là, c'est peut-être le moment de sortir le Joker. C'est vrai qu'on a les Jokers. Après, nous, le Joker sait, te permet. On sait ce qui nous attend après aussi. On sait ce qui nous attend aussi. C'est après. Ça le problème. Et si on utilise le Joker, on relance la pièce. Parce que là, moi, c'est ma phobie. Non, mais là, mais sauter après, dans le vide, c'est ma phobie. Après, t'y vas. Non, mais le pire, c'est le moment où t'es dans l'avion. En fait, moi, j'imagine. Arrête! Non, non. En tout cas, ça me fait peur. Je veux pas. Non. Je peux pas, moi. Parce que le moment où t'es en haut et que tu t'as les pieds dans le vide et qu'il te dit, il te dit même pas, t'as même pas le droit de redescendre. Je crois qu'il te pousse. Il te pousse. Chute libre. Mec, il y en a un ou deux qui va y aller. Il y en a un ou deux, il va être dans cet avion. Au pire, tu sacrifies. Là, frère, je t'avoue. Ok. Qui choisis. Je choisis. Oh non. Non, je t'oublie okay. Pas, ça tout, mais pas ça, s'il te plaît. Mec, s'il y en a un que je dois pas faire. C'est lui. Putain, non, là je suis pas bien. Attends, mais en vrai, gros, je suis en train d'hésiter stratégiquement alors que pile face, ça ne change rien. Qui va aller dans un putain d'avion là? Je prends pile. Pile, et moi je prends face du coup. Donc, c'est quoi face? Donc, j'ai vraiment. Là, franchement, mec, ça c'est ma phobie. Ouais, gros, là j'ai la boule au ventre. C'est pas ta phobie. Mais en fait, là on se rend pas compte parce que tu l'as pas vu l'avion. Mais là, on est en train de rigoler et tout. Mais ouais, voilà, là on se rend pas compte. Mais même toi tu te rends, tu peux pas. Mais savoir. Moi je me rends. Tu vas être dans l'avion et qu'il va te dire dans une minute. Mais je crois que je vais me chier dessus. Après, en vrai de vrai, j'ai un de mes frères qui l'a fait et à ce qui paraît c'est une expérience de fou, tu vois. Ouais ouais ouais. Et c'est même pas à ce qui paraît, c'est sûr. Ouais ouais, c'est une expérience de ouf. En vrai je pense que c'est une expérience. Fais-le hein, je te le donne. Non en vrai t'as vu, c'est une expérience de ouf à vivre. Mais par contre, faut avoir les coronets hein. Aïe aïe aïe, vas-y bah Inox, c'est le moment. Oh
Le destin il est scellé. Le destin il est scellé. Ah, je me sens pas bien. Ça tremble. J'ai mal au ventre, je me sens pas bien. J'ai envie de vomir. C'est quoi, t'as dit toi? Moi j'ai dit pile. Donc s'il y a 20, c'est toi qui sautes. S'il y a face, c'est moi qui saute. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai envie de mourir là. Let's go! Je m'en bats les couilles des gens qui dorment! Non, j'ai trop le seum. Après, t'as un joker. Non, c'est dur parce que Joker, on connaît la suite et il y a d'autres trucs qui font très peur. Oh, le Joker, la putain de merde. Parce que ouais, c'est chaud. Mais tu te vois demain là, on s'en va. Non, je me vois pas sauter dans le vide là. On va clairement pas sauter dans le vide. Parce qu'il y a un deuxième truc ultra hard. Mais ultra hard. Ouais. Et je me dis que j'ai un Joker. Faut bah, en fait, en soi, c'est pas ultra hard. Le deuxième truc, c'est pas ultra hard. Juste. Si c'est ultra hard. Tu demandes à n'importe qui là dans la vidéo, il y en a pas la moitié qui le font. Bah oui. Il y en a même pas un quart. Oh. Mais si j'utilise mon Joker, j'ai plus après. Ouais, t'en as qu'un. Toi, tu l'as. Il y en a qu'un pour les deux vidéos. Je vais rentrer à Paris. Hein. Non. Au pire, tu sur l'avion, sur le trajet Dubaï-Paris, tu sautes de l'avion. Mais là, t'auras pas de parachute. Non, j'ai la haine. Vas-y, je t'emmène. Hein. Allez, poteau. Reste digne. Tiens. Les gars, je suis au bout de ma vie. Là je te dis, hein. S'il y a un truc que dans ma vie, il faut pas faire, c'est ça. Je suis pas bien, gros. Mec, ça y est, là, c'est réel. Hein. Regarde où on est. Les gars, sachez que ça, là, le coin d'air que vous voyez, c'est la piste d'atterrissage. Mec, j'ai envie de vomir. Je le fais pour vous, pour la vidéo, parce que j'ai ma parole. Hein. Mais jamais de la vie, je l'aurais fait sinon. Je vous jure que sur la route, il était pas bien, les gars. Je parlais, je disais, Inox, ça va. Il me regardait, et juste il me regardait. La tête d'OMC Espritionnel. Je vais dépasser mes limites. Je pense que je t'ai jamais vu comme ça. Hein. Je vais dépasser mes limites. Je pense que je t'ai jamais vu non, comme ça. Non, mais go. Parce que d'habitude, tu dis Espritionnel pour un truc que tu peux faire. Je pense qu'il y a moins que je dans l'avion, il y a. Tu chiales. Non, chialer. Mais est-ce en mode avoir les larmes aux si yeux. Si tu chiales, c'est que t'as vraiment très très peur. Voilà que j'ai. Regarde les fils, frère. C'est ça qui va te. Mais hey, t'es un bâtard. Mais j'ai pas peur de mourir, moi j'ai juste peur des 10 premières secondes. Ouais. Après je sais que je vais être bien dans les airs. Oh. Oh, comment il va. On l'atterrit. Wesh, mais il va s'écraser là. Attends, mais va. Ah, c'est bon. Ah, oh, ouais. Mec, ils sont trop chauds. Ah, t'es mal, ils atterrissent en s'asseyant. Ouais. Oh, je l'ai jamais vu aussi stressé de ma vie. Ouais, là il y a vraiment que des larmes. Oh, tu vas regarder une petite vidéo? Ouais, j'ai peur. Là, t'es prêt? C'est ma plus grande peur là. T'es prêt? J'ai peur. Let's go! Esprit Shonen! Esprit Shonen! Allez, Inox, c'est parti, gros! Oh là, ça fait flipper! Ça s'équipe! Ça fait flipper! Tu verras, non, mais au moment où tu sautes, tu oublies tout en fait. Tu oublies ce qui s'est passé hier ou ce qui va se passer demain. En fait. Ah ouais? Tu vas juste t'amuser, tu vas vraiment profiter, tu vas adorer. Ok. T'inquiète pas, le harnais il est pas c'est super. Des belles paroles. Dans l'avion, je pourrais parler? Ah mais il y aura pas de vidéo dans l'avion. Ah ouais? Ah non, après le Covid, il s'est... Mais moi on m'a dit que je pouvais lui donner une GoPro. Impossible? Ah merde. Bon bah les gars, à partir de maintenant vous me voyez plus. Hein. J'ai pas peur de grand chose, mais le vide j'ai vraiment peur. Tu es au bon endroit? Là je suis au bon endroit, mais le but c'est de dépasser mes limites et c'est de montrer que les gars vous aussi vous pouvez dépasser vos peurs. A toutes les gars, on se voit dans l'avion. Oh bordel les gars, vous voyez cet avion là? Inox il est dedans. Bye bye Inox. Il est dans le ciel, c'est parti. Son seul moyen de redescendre, c'est de sauter. Bon bah on va l'attendre là.
incredible. You enjoyed it? Yeah. You wanna go again? I go again now. Woo! Et la tête de Wam. Attends, je vais voir ma cam. Tu l'as fait, on gros. L'a fait, eh, la tête d'homme, ça fait même pas peur. Tu l'as fait, frère. Gros, comment c'était ça, ça fait pas peur. Gros, la tête d'homme, je mens pas. L'air il porte. Ah ouais? Je te jure, gros. T'es dans l'avion, tu commences un petit peu à flipper. Ouais. Mais moi, j'étais en mode, je criais dans l'avion, tout ça. Je faisais, let's go, on va y arriver. Ouais, t'étais en train de te chauffer. Ouais, t'étais en train de te chauffer. Et mon moniteur, c'était un gros BG, il était trop sympa. J'étais comme au top, mec. Ah ouais? Ouais, c'était bien. Assuré. Ok, c'est carré. J'ai plus peur d'une attraction que ça. Ah ouais? La tête d'homme. Et en fait, tu flottes dans l'air. Je flottais. Et pour de vrai. Ouais, tu vas voir. Tu sens vraiment que tu flottes. Ouais, tu vas voir la vidéo, je souris et tout. J'avais envie de faire ça et tout dans l'air. Et gros, merci en vrai. Ça merci d'avoir gagné ce pile ou face. Ah ouais? Les gars, de base, c'était perdu. Mais là, ah, c'est le trop bâtard. Content. Ah, la prochaine fois, vraiment, il veut me mettre le seul. La prochaine fois, je vais faire avec toi. On l'a fait, les gars! On l'a fait, let's go! Prochain pile ou face? Allez, prochain pile ou face. Ça enchaîne. N'oubliez pas, dépassez vos limites. Esprit Shonen. Mon cher Inox. Ouais, mon ref. Je pense que t'as remarqué, je pense que les abos vous êtes en train de remarquer, nous sommes dans ce qui s'appelle à Dubaï The Mall. T'es balèze. C'est-à-dire le centre commercial. C'est quoi le bail? Tu m'as emmené ici pourquoi? Par contre, c'est cher. T'es cher? Par contre, c'est cher. Ouais, bah là. Donc, pile ou face, t'achètes ce que tu veux avec la carte de l'autre pour 2000 euros. Face. Oh, allez, je sens bien là, je sens oh, bien. Oh, il a pris face. Là, faut pas que je perde l'argent. Pas faire la pince. Non, là, faut. Je te laisse jeter. Deux. Allez, face. Mec, faut le faire payer, les gars. Dis-moi qu'il y a un 2. Let's go! J'ai gagné 2000 euros, frère! Elle a la tête de homme, c'est trop! Je viens de gagner! Elle a la tête de homme! Gros, elle, pièce, elle est maudite, pièce, les gars! Elle est maudite! Cette c'est la tête de homme! Elle est maudite! Elle l'a détruit à la fin de la vidéo! Je l'ai détruit! J'ai gagné 2000 euros! Tête de homme, ça me fait plaisir, je me sors là! Rappelez-vous, je lui ai pris 80 euros de V-Bucks! Ah ouais, Bedia! Bon, 80 euros, frère! Il y a une différence! Non, mais t'as été généreux, donc là, je vais être généreux! C'est le destin, il l'a voulu! Ça te fait plaisir! Ça me fait plaisir! De vrai! Ça me fait plaisir! Je suis pas un rat, frère! Merci! Non, t'es pas un rat! C'est normal de. Non, t'es pas d'être généreux. T'es pas un rat. Ah, il y a une pièce de 2 euros là. C'est ça? Il y a une pièce de 2 euros là. Elle est où? Non, mais c'était une blague. Ah, t'es pas un rat, mais t'es pas un rat en vrai. Mais non, mais c'est de l'argent. Mais gros, non, j'économise. Là, c'est 2000 t'es euros. Pas un rat. Ah, il y a 3 centimes, 3 centimes. Il y a 3 centimes, frère. Vas-y, arrête de me troll, arrête de me troll. Oh, Inox, tu vois ce que je vois? Tu vois ce que je vois? Il y a Apple. Gros, je viens de capter, mais il y a l'iPhone 13 qui est sorti. Ouais. J'ai pas l'iPhone 13. J'ai pas l'iPhone 13. Moi non plus, je l'ai pas. J'avoue, moi non plus. Bah c'est bien, bah du coup tu vas me l'acheter. Tu vas me l'acheter. Merci Inox. Allez, on y va. Tiens, 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 tiens. iPhone 13 Pro. Il est là, iPhone 13 Pro, c'est celui que je veux. Il est beau, hein. Il est beau, hein. Bah il sera sûrement pour moi. Il sera pas pour moi, ouais. Bah il sera pour moi, ouais. C'est même pas sûrement, c'est ouais, il sera pour moi. Mec, cette vidéo full life. Franchement, pour l'instant, je te dis la vérité, pour moi, le pile ou face de l'extrême, c'est extrême bien. C'est pile ou face, je suis Gucci. Moi, c'est extrême pas bien du tout. Extrême, ma banquière va m'appeler. Je suis trop content, gros. L'iPhone 13 Pro à la maison. Mais t'as un problème. Franchement, c'est même pas pouvoir dépenser 2000 euros comme je veux qui me fait plaisir. C'est te voir dépenser toi 2000 euros. T'es un bâtard. C'est rare, frère. T'es rare. Mais je t'ai dit, ça me fait plaisir. C'est bon. Mais arrête de mentir. Sois honnête avec toi-même. Bon, la tête d'homme, j'ai trop le seum. J'aurais même l'acheter moi-même. Oui, voilà, voilà. Ah ouais, mais c'est en dirhams. Ouais. 4600 dirhams. On a bien dit 2000 dirhams. Hein. C'est 2000 non, dirhams. Non, non. 2000 euros. Calme-toi. Essaye pas de négocier. Donc, iPhone 13 Pro, 256 gigas, 1150 euros. Il me reste combien? Il me reste 850. Putain, c'est beaucoup 2000. Hein. Allô? C'est un appel? Oui, Nathalie. Oui, non, non, les virements. Le, oui, Nathalie. Les non, mais les 2000, c'est. T'es un mytho. Non, c'est pour une vidéo. Non, t'inquiète, t'inquiète pour une vidéo. Y a moi, je sais que c'est pas souvent que je mets. C'est la banquière? C'est la banquière. Attends, non, t'inquiète, c'est pour une vidéo que je tourne avec Michou. Oh, il se fait engueuler. Non, mais c'est occasionnel. Il reste combien de plafond? 10 euros? Non, non, ouais. 10 euros, Nathalie. Nathalie, débloque le plafond. Oh, Nathalie. Putain, merde. Non. Il n'y a plus. Attention, est-ce que ça va passer? Mais boum. C'est passé? Elle est pas passée. Là, je rigole, elle est passée. Je crois pas. Il est là, les gars. Je l'ai pris en noir. Je l'ai pris en noir. Nouvelle iPhone 13. C'est long. Let's go. Je croyais que ça te faisait plaisir. Ça me fait trop plaisir. Et mec, que tous les jours, tu seras avec mon cadeau. C'est vrai en plus. Genre, tous les jours, je pourrais dire ouais, mais les gars, c'est moi qui lui ai acheté. C'est moi. Il l'a acheté juste pour dire aux gens que c'est lui qui l'a acheté. C'est moi le téléphone de mes jours, c'est moi qui l'ai acheté. Par contre, débloque ton plafond, poteau. On a encore 800 euros à dépenser. Vas-y, j'appelle Nathalie. Ta mère. Oh, il y a des vrais pères là. Oh non. Il y a des vrais pères. Oh non. Oh. Moi, j'aime bien les Dunklo. Oh, c'est vrai, ici, il y en a des. Oh, il y a que des easy là. Celle-là. Ah, même moi je les ai pas vues. Et en vrai elles sont belles. Ouais, mais le en prix, ce moment je suis plus trop 5300, oublie mon ref. On va demander les prix là. 3006.
trop cher. Ah, ça rentre dans le budget. Mais c'est quasi. Ah ouais, non, c'est cher. Non, ça rentre pas dans le budget. C'est quasiment 1000 euros. Mais celle-là, je pense que. Moi, celle-là, je pense que je peux oublier. Genre, je trouve qu'elle te corresponde. C'est dans ton délire. Celle-là, c'est vraiment. Mais tu peux oublier, ouais. C'est combien? Ah non, 2005. Jure. Oh, j'espère, il y a ma taille. Il me restera 100, 150 euros pour la chaîne. Là, 700 euros la paire. C'est cher, mais. De toute façon, c'est pas moi qui paye. C'est pas moi qui paye. C'est 700 euros. Combien? 700 euros. 700? Ouais. Cher, cette merde. À tes mains, on va avoir le vrai prix. Ouais, normalement, elle coûte 300 dollars. Trop d'art. Très gros, ils abusent. Hein. Le vrai prix, 300 dollars. Et là, ils les font payer 700. Eh, s'il te plaît, viens, on se fait pas pigeonner. Viens, on va dans une autre boutique. Je veux bien t'offrir, mais je suis pas un pigeon. Je suis un rat, mais pas un pigeon. Mais tu vas le devenir, frère. Non, non, non. Mais non. Si. Il y a que cette taille. Vas-y, c'est du 5. Il y a que cette taille. No other. Ah, mais ils ont. Mais en fait, ils ont pas de. Mais pas un pigeon. Elle coûte trop cher, frère. On peut en acheter 3 en France. Putain, frère, trop saine. Oh, il y a la paire que je veux. Te plaît. Ne me dis pas que c'est celle qu'il y a en face de moi. Mec, c'est carrément. Ne me dis pas que c'est ça. Mais si, c'est ça, frère. Non, non, non. Non, gros, elles sont belles. Tu sais que j'ai kiffé de ouf. Mais elles sont déchirées en plus. Mais c'est fait exprès, frère. C'est le style. Oh non, 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 les gars, faut lui dire. Sinon, il y a celle-là, elles sont d'art, celle-là. Mais tu vas pas au ski là. Non, non, celle-là, j'avoue, c'est abusé. Mais en vrai, les paires de Balenciaga, normalement, c'est 800-900 euros max. Hein. Alors que celle-là, j'ai pas de paire vraiment bleue. Celle-là avec un beau petit jean là. Vas-y, prends celle-là. Alors. Non, celle-là, frère, c'est mes préfs. Hein. Vas-y, je te les prends. Ma carte, elle va pas. Il a trop le seul. C'est que j'ai trop le seul. Ouais, en vrai, elles sont jolies. Après, mais j'avoue. Pas avec ta tenue. Ça va, frère? Bah, avec le pantalon, ça va. Le sac, il montre la mala qu'il y a dans ce sac. Hey, Nox, t'as été généreux. Hein. Oh là là, aujourd'hui, tu t'es fait plaisir, mon ami. Normalement, tu me devais 2000, et là, je crois, on a débordé 2300 euros. Là, on a débordé un peu, débordement de situation. Un peu. Bah, mon ref, c'est le boss. Franchement, c'est merci, le jeu, Nox. Hein. Les gars, j'ai un iPhone et une paire Balenciaga. Let's go! En parlant de situation financière, etc., ouais. J'ai un petit pile ou face à te proposer. Ah ouais? Et on va s'y diriger, et on se retrouve devant dans quelques secondes. Ok, on s'y dirige. Avec plaisir. Ok Michou, on est confortablement installé dans un petit restaurant. J'ai une question à te poser. Est-ce que t'as déjà léché les doux d'un mec? Parce que là, mes petits refs. Oh non, c'est le pire. Là, mon ref, il y en a un ou deux qui va manger des testicules, mais des vrais testicules. Attends, viens, on dit pile ou face devant. Ok, ok. Oh bah. Ramenez les couilles. Elles arrivent. Ramenez les couilles à la maison. Les gars, les testicules, elles arrivent. C'est ça? Eh, la Vic, ça a pas l'air dégueulasse, hein. C'est ça, les testicules? Ça a pas l'air si dégueu que ça. Vas-y, pose-moi la question. Pose-moi la fameuse question. C'est le moment de savoir qui va manger les testicules de mouton. Pile ou face? Je prends face. T'es prêt? Ouais. Oh, bordel. Elle est là. Moi, je me rassure en me disant que c'est peut-être pas si dégueulasse. Let's go! C'est face! C'est face! Mange les couilles! Mais gros, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous les piles ou face. Je fais que de perdre. Là, y en a pas un que j'ai gagné. À part la plongée où c'était entre les deux. Mec, moi, je suis Gucci. Michou, là. Gucci, les Gucci, je perds tout. T'as vu, limite, je suis un peu deck, j'aurais bien goûté. Oh. Ça se voit, il est dégoûté. C'est vraiment pas bon? Ah, c'est bizarre. En fait, elles sont ultra épicées en fait. Mais la texture et tout, c'est quoi? En fait, la texture, c'est vraiment. C'est moelleux, bizarre. Oh, oh putain, ça y est. Oh, comment tu l'as mangé, frère? En vrai, ça a l'air d'arracher. Ah, celle-là, je l'ai croqué. J'ai senti un truc dégueulasse dans celle-là. Oh. En vrai, gros, tu l'as gobé comme un chef. Ah, je l'ai gobé direct. Ça se voit, t'as l'habitude. Oh putain, elle était plus grosse que la dernière que j'avais. Et en vrai, c'est nourrissant ou pas? Hein? C'est nourrissant? Mais en vrai, pour la muscu. Je vais dire ça tout de suite. J'arrête. Pour la muscu, c'est de la testostérone. En vrai, pour la muscu, c'est de la testostérone et je pense que c'est plein de protéines. Mais gros, ils sont morts les spermatozoïdes. Mais c'est plein de protéines. Bon, les gars, on est devant le plus bel hôtel de Dubaï, mon grand, il est là! Dites-vous que là, on a pris tous les deux nos affaires. Ouais. C'est-à-dire qu'on a toutes nos affaires dans le sac. Nos affaires, elles sont là. Il y en a un qui va dormir là ce soir, la nuit. Oh! Vaut 3500, truc comme ça. Lui qui perd, c'est dur. Finira dans le pire hôtel de Dubaï. Mais quand vous dites le pire hôtel, c'est le pire hôtel. Un dortoir. Tu dors avec d'autres gens que tu connais à pic. Donc c'est vraiment un dortoir. Pire, c'est je pense que c'est 13 euros la nuit, même pas. Ah, j'ai peur. J'ai les 2 euros. C'est le pire ou face de l'extrême. Je t'en supplie. Passe, tu dors ici. Mon cœur bat. Pile, je dors ici. Tiens la pièce. C'est moi qui lance? Bah oui. La tête de Wam, je t'en supplie. T'as pris face. Ça va? Là, passe, tu dors ici. Mon cœur bat. Pile, je dors ici. Et non, tu mérites. Arrête!
2, 3. Ouh. Stop là. Yeah. Yeah. Ah, go. Oh, franchement, bravo à lui. Oh, j'ai trop le seum. Alors, ton ressenti? Oh, mon ressenti à chaud. J'ai tout perdu, là, depuis la date, là. J'ai tout perdu. Enfin, je gagne. Let's go. Inox, Joker. Je l'utilise. Oui. Je l'utilise. Oui. Récupère-moi ces gros. Bon, on va devoir relancer. Désolé. Tu veux voilà. Quoi? Je garde pile. Oh putain. Oh. Pile bien sa main. Donc deux, je dors là. Le livre, c'est le destin, c'est le destin. Vas-y, Inox, c'est le moment. C'est le destin, je t'ai dit. C'est le destin. Let's go. Le destin fait que je vais dormir là. Et si je demande une agendas? C'est un hôtel 7 étoiles, il le ramène. Il te ramène un Yuski. Eh, je vais faire iPhone 13. Je vais voir s'il me le ramène. On a oublié de te dire, c'est que les suppléments, ils sont à ta charge. Ouais, les suppléments. La nuit est payée, pas les suppléments. Bah, agenda, c'est pas en supplément. Ah, tu rigoles moi maintenant. Oh. Eh, je sais pas comment elle est la chambre, mais j'ai hâte de voir. Ça a été upgradé en plus. Elle est upgradée là. Ouais. T'es vrai, c'est la meilleure nuit de ta vie en fait. Oh, mais je pensais à toi, la tête de WAM. Tu mérites. Parce que je pense que la vie que tous les gens qui regardent la vidéo depuis le début, ils te voient morfler, ils se disent non, le pauvre et tout, ça se fait pas. Donc je pense qu'ils étaient pour toi pour cette nuit d'hôtel et je les comprends parce que même moi j'étais pour toi, mais je voulais bien dormir. Mec, je suis trop heureux là. Mais le karma, il t'a rattrapé. Tellement bah, normal. Mais en vrai, gros, putain, là je vais prendre le métro. Oh. Mais en fait, le Joker, les gars, je vais vous faire un putain de vlog. En fait, c'est que j'ai craqué, on est devant l'hôtel et tout. Mon cerveau, il m'a dit frère, tu dois dormir là. Oh, mec, c'est magnifique. Hein. Mec, je vais utiliser toutes les options que je peux utiliser. Toutes les options. Il n'y en a pas une qui va passer à la trappe. Bien, hein. Parce que franchement là. Mais je dors pas. Je pense que vu le prix de la nuit, c'est combien? C'est au moins 300 euros de l'heure. C'est vrai, parce que tu vas passer combien de temps? 15 heures dedans. Ouais, je pense. C'est 300 euros de l'heure. Putain. Profite. Je vais profiter. Profite pour donne vous. Tout. La tête doit me. Je vous envoie des vidéos. Ok les gars, c'est parti. On rentre dans l'hôtel. Je vais tout vous vlogger de ce que je vois, donc je mets plus ma tête. On est au métro. Là, je viens de te déposer. On te dépose là. Tu prends le métro, direction ouais. L'aéroport, ouais. Et tu t'arrêtes à la station Salahdine. Salahdine. T'as toute l'adresse, t'as tout. Direction aéroport. Putain, les gars, je prends le métro. Déjà, rien que ça, c'est une galère. Et où, frère, c'est écrit en arabe, j'arrive pas à lire. Ok, les gars, j'ai mon ticket. C'est de la frappe, c'est un ticket sans contact. Le métro qui va vers l'aéroport, c'est celui-là. Regardez, hop, celui-là, il va vers l'aéroport. C'est à 23 km. S'il y a un souci, tu m'appelles. Eh, je sais pas pourquoi ça sent mauvais cette histoire. Ah, j'ai le seum. C'est pas direction l'aéroport, si? Putain, pourquoi je suis paumé? Ah, si, c'est bon. Si, c'est direction l'aéroport, ça. Oh, c'est en anglais! Oh, j'ai trop de chance! Prochain train, une minute. Oh, il est là! Let's go, je suis trop content! Je pense que j'ai environ 45 minutes, une heure de métro devant moi. Fais mal le hall. Déjà, rien que ça, c'est le hall de l'hôtel. Oh là 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 là. Non, c'est magnifique. Wesh, elle s'est foutue de ma gueule, la dame. Why is she laughing? La tête de ma mère s'est foutue de ma gueule. Je sais pas si vous avez entendu. On voit un mec maillot et Adidas qui rentre dans un hôtel comme ça. Je comprends qu'on rigole en vrai. Oh, l'ascenseur, il est masterclass. Hein. What is that? Person who helps you. Oh, ok. Ok, ici c'est un peu mon helper. Hello. T'es mal à la tête de la chambre. Non, là je suis choqué. J'ai l'impression de pas avancer, c'est trop long. Je peux tôt, ça fait 30 minutes. Ça fait 30 minutes, je suis là, j'en peux déjà plus. J'ai le seum. Je suis presque arrivé, les gars, on voit le bout. Wesh, attendez, les gars, on est en train de s'éloigner. La vie de ma mère, on est en train de s'éloigner. Faut que je descende. Je suis à l'aéroport. Je suis à l'aéroport terminal 1. Je reprends le métro dans l'autre direction et après je vais descendre. Oh, fais chier. Si t'es le roi des comptables sur ton front. Oh, oh ouais, c'est insane. It's not a room. Yeah. It's appartement. C'est pas une chambre. Oh, it's for me. Oh, thank you so much. Ok. Oh, y'a un mini bar et tout. On va monter dans la chambre, j'ai hâte de voir comment c'est, mais je flippe là. Déjà, là, il y a des escaliers dans une chambre. J'ai jamais vu ça. Wesh, mais il y a des couloirs et tout, mais tant. Wow. Mais voilà, tiens, un autre salon. Ah non, mais c'est un. Oh, 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 c'est une chambre. I have not girl, but it's good. For the TV, you can just press what? The button. Non, là, c'est incroyable. Elle a sorti une télécommande, la télé, elle monte du bar. Non, c'est masterclass. Eh hey, les gars, je vous jure, la pub McDo, elle est en train de me donner les crocs. Jacuzzi.
Jacuzzi? Yeah. Oh, il y a un jacuzzi dans ma chambre. Ah ouais, t'es mal à la douche, non mais là c'est trop. Ah, it's for me? Hermès, oh c'est du vrai cosmétique, hein. J'ai jamais vu du Hermès dans un hôtel. Attends, il a envoyé une vidéo de l'hôtel, faut que je regarde. Oh ah, il a un jacuzzi, frère. Sa salle de bain, frère, elle va faire froid pour ma chambre, c'est certain. Il a un jacuzzi, laisse-moi dormir dans ta salle de bain. Même dans ta salle de bain, je dors mieux. Oh. Wesh. Wesh. Mais c'est même pas... Allez, j'arrête. C'est même plus une chambre d'hôtel qu'il a, frère, c'est une maison. Les gars, j'ai jamais vu ça. Je suis choqué de la dinguerie de l'hôtel, frère. C'est un salon. C'est un salon, gros. Théma, les enceintes de l'hôtel, c'est des dévialés. Non mais... Théma, je tourne autour d'une table à manger dans un hôtel. Un petit mini-bar où je peux... On va se faire... Ouais, Coca, on se fait un petit plaisir. Les gars, on se fait un petit plaisir. Je suis trop content. J'ai perdu tous mes pile ou face, les gars. Et je me retrouve là, dans une chambre d'hôtel, où je vais passer ma meilleure nuit, mec. Il y a un escalier dans la chambre, gros. En fait, tous les trucs de l'hôtel qui sont pas forcément utiles dans des vrais hôtels et qui mettent pas forcément, là, c'est que des trucs de luxe. Enceinte, dévialé. Sèche-cheveux, on s'en fout, hein. Sèche-cheveux dans un hôtel, c'est un utilitaire. Là, ils mettent un Dyson, carrément. Il y a un miroir sur le plafond, frère. Tu penses à ce que je pense ou... Tu penses à ce que je pense? Ok, après chacun ses délires, hein, mais... Il y a un miroir sur le plafond. Si je suis allongé, ça rend comment? Bon, j'allais dire un truc, mais je vais m'abstenir. Mec, il est trop confort, t'as vu comment je m'enfonce? Regarde, 1, 2, 3... Oh, la table là, elle est incroyable. Même ça, c'est incroyable. Oh là 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 là. Le lit, c'est un king size. Attends. Oh, comment ça rebondit? Regardez. C'est comme dans les films là, quand tu rebondis sur les lits, la tête d'homme, c'est pareil, regardez. Oh, mais c'est le lit de rêve. C'est le lit de rêve, non. Je suis trop content. Je suis trop content, ça, mais... J'avais tellement peur de se perdre ce fil ou face. Et là, t'as Michou qui est en train de rentrer dans... Je sais pas ce qu'il fait, mais t'as Michou. Il est dans un truc éclaté. J'avais tout sauf envie d'y aller. Je suis à combien de temps à pied? Là, j'ai peur. Ouh, mes frères. 34 minutes. Il me reste 34 minutes à pied, gros. Je vais arriver à l'hôtel, il va être minuit 30, frère. Inox, ça fait 1h30, il est dans son hôtel. Je vais arriver à l'hôtel, il va être minuit 30. Eh, j'ai trop faim. On va commander petit room service. Donc, je propose qu'on se tape une petite viande et un petit burger. Ok, ça a sonné, les gars. On va ouvrir. Hello, yes. Yes, you're entitled for breakfast tomorrow, sir. Yeah, so I will go. Certainly. What time you gonna check out tomorrow? Thank you, see you soon. Oh, le crack. Il m'a demandé si demain matin je voulais prendre le breakfast et tout. Les gars, je vais mettre du son sur la dévialée. On va voir si ça frappe et je vais m'ambiancer dans ma petite chambre. T'es mal la couleur de mes habits. Je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. Je sais très bien qui sont mes amis et ceux qui me caressent pour les abords. Oh bordel, est-ce que vous voyez ce que je vois? Le M de McDo. Oh, je vais me taper un McDo là, frérot. Oh, let's go. Hop là, en large, allez. Eh, je vais me prendre une glace, hein. Eh, dessert, hein. Je vais me prendre une glace, obligé, hein. Oh, ça y est, l'erreur. Putain, je suis obligé de payer au compteur. Vas-y, c'est pas grave. Ok, les gars, ça vient de toquer. Hello, how are you? Wow, thank you so much. Let me hold the door, sir. Yes, I take the door for you. Yeah, sure. Ah, it's okay, okay. Wow. Hi, Mr. Vanessas, good evening. I'm Amanda from Private Dining, and your order is there. Can I come in? Yeah, no problem, you are the boss. Sure, I'll stay. Ah, wait, I move this. Jour, il vient avec une table carrément. Les gars, c'est une masterclass, je suis choqué. Thank you so much, sir. Thank you so much. You're most welcome. It's our pleasure that you are here in Bordelara. It's you the best. You are the best. Okay, sir, I'll take out all your food. I'll set up everything in this. Yeah, put all and it's okay, no problem. Yeah. Oh là là, les gars, il me met tout sur la table. Il vient tout me ramener. Les gars, c'est... Moi, je suis choqué. Moi, j'aurais jamais cru que c'était un truc comme ça. Wow. Regarde-moi ça. C'est réel, hein. Le pain et tout. Je vais tomber dans les pommes, je suis choqué comment c'est incroyable. Mais t'es mal burger. Oh là là. Il y a des frites et tout. Oh, je vais faire un vrai kiff les gars. C'est pas bien pour la muscu mais c'est qu'une fois. Thank you so much. C'est qu'une fois donc. It's for me, sir? Yes, that's real for you. I give you. It's thank my gift. You so much. You're the boss. You're so very kind of you. No problem, thank you so much. Je cherche ma carte pour payer le truc, mais je la trouve pas. La pince est de retour. La big pince est de retour. Wesh.
Wait, I go. No problem, no problem. Dis-moi que là c'est bon. Ah, ok, au moins là j'ai un ticket. La pince a failli frapper, mais elle a pas frappé. Je suis choqué. Et là, on va goûter la viande, les gars. Elle m'a l'air vraiment succulente. La viande est incroyable, les gars. Frère Théma, je m'en joue. Je me suis mis dans le coin. On dirait que je suis puni. Je suis dans le coin du McDo. Oh, il est tout chaud. Oh, il est tout chaud. Théma, Big Mac 4 steak. Oh là là. Hey, je vais dormir au McDo, j'ai pas envie d'aller à l'hôtel. On va goûter le burger. Il est vraiment pas mal. Hein. Sachez que j'aime pas quand il y a de la sauce burger normalement. Et là, je trouve ça vraiment bon. Et franchement, big masterclass. Hein. Je le dis, les gars, c'est une big masterclass. En fait, le mec qui vient m'amener mon repas carrément dans ma chambre avec une table, ça m'a choqué. Je te jure, je m'attendais pas à voir ça arriver. Ça m'a réellement choqué. Je suis trop content. Franchement, je suis trop content d'avoir gagné cette nuit à l'hôtel. J'en avais tellement envie. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Clairement, je me suis dit, bon, ça va être une chambre de ouf, tu vois. Un truc comme ça, t'es un ouf. Jamais tu peux t'attendre à ça. Mais c'est sûr, en vrai, il y en a là. Ils ont déjà vu des trucs incroyables aussi. Hein. Ils disent, ouais, il est choqué pour ça alors qu'il y a peut-être mieux. Mais franchement, là, moi, je suis vraiment choqué. Je suis ultra excité, tu vois. Je me dis, oh, incroyable, il y a ça, il y a des rideaux, il y a des. Poto, je sais pas si ça se voit, mais j'ai défoncé le McDo. Mais les gars, ce repas n'est pas fini. Pensons à cette magnifique glace. Regardez-moi ça. Glace, popcorn, chocolat, vanille, caramel. Oh loulouloulou. Ah ouais, mais. Alors, attendez, parce que c'est galère à manger. Oh, le caramel est costaud. Oh là là, comme c'est bon. Il y a de la chantilly. Oh yes. Je vais bien dormir. Oh, je suis trop content. Théma. Il y a tout qui tombe. Oh là là. Jacuzzi. En vrai les gars, je fais pas souvent de bain moi. Je dois faire un bain tous les deux ans. Déjà j'ai pas de bain chez moi et j'en fais pas beaucoup parce que voilà, pour la nature et tout, faut pas trop en faire. Ça va être un kiff et j'en fais pas avant très très longtemps. Oh si, je vais passer une nuit tard les fous les gars. C'est parti hein, qu'est-ce que tu veux. Mec c'est incroyable, incroyable. Il est minuit 39 et il y a encore tout le monde dans la... Je suis en train de réaliser en fait. Il est minuit 39, il y a encore tout le monde dans la rue. Les magasins ils sont encore ouverts, normal. Mais attends, mais en vrai c'est le bordel. Les gens ils vivent la nuit ici. A l'aide! Pour tous les piles ou faces qui sont passés dans la journée, je suis en train de morfler là. Je suis en train de morfler pour tous les piles ou faces. Je vais demander à un commerçant à côté. Hein. Normalement, un commerçant il connaît la zone. Va au 308 et le mec va venir te chercher. Putain, mais c'est en face en vrai. Depuis le début, c'est là-bas là. Askip, c'est vraiment là, les gars. Non, mais le mec il me troll. Non, mais le mec il me troll. Il veut jouer à cache-cache, c'est pas possible. Dis-lui que j'ai une caméra. Gros, il va forcément me trouver. Mets-toi devant la station de métro. Mais je n'en peux plus. Il arrive, mets-toi devant la station de métro. Le pire, c'est qu'il y a plein de mecs, ils ont l'air tous perdus. Les gars, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Là, je vais tester un peu les fonctions. Oh là là, les gars, c'est plus que réel. C'est plus que réel. Là, je vais kiffer. Je vais passer un petit moment. 40 minutes, je vais pioncer un peu. Et après, je pionce dans le lit. Incroyable. Dorme, ça fait des bulles sourires. Ça va déborder. La tête de Rome, ça fait déborder de savon. Le jacuzzi se remplit de bulles. Il se remplit de savon. C'est un bain moussant. La mousse, elle est magnifique. Même la mousse, c'est une mousse de riche. Mais même, je tiens à vous remercier aussi, les gars. Parce que, mine de rien, c'est grâce à vous. Grâce à vous, vous nous soutenez tous les jours et tout. Et que vous nous donnez de la force à moi, à Michou, tout le monde. Donc, je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à vous remercier vous-même dans les commentaires. Voilà, faites-vous remercier entre vous parce que c'est toute la communauté, vous êtes incroyables. C'est grâce à vous qu'on peut vivre des expériences comme ça, donc je tiens à vous remercier. Et notre but, c'est pas de faire les mecs en mode « Ah, regarde, on peut faire ça et tout ». C'est vraiment de vous partager plein de trucs qu'on fait et tous nos meilleures envies et tout qu'on fait. Et c'est de vous les partager et tout, et j'espère vous kiffer. Mais putain, mets-toi devant la station de métro, je suis carrément devant, je peux pas être plus devant. Pas l'adresse, elle m'a donné une adresse, ça me trouve pas. Ah, mais ça va, c'est à 1,2 km. Mais alors pourquoi le GPS il m'envoyait ici frère? C'est à 1,2 km. Il y a 20 minutes de marche. Oh j'en peux plus frère. Allez, il y a encore 15 minutes de marche. Oh je vais péter. Et la vie, je vais serrer frère. Inox il doit être déjà en train de dormir gros. Inox il est là, il est en train de ronfler. Je me suis trompé de métro. Si t'es comptable sur ton front. Je ne sors pas à la bonne sortie de métro. Je me trompe de station de métro. Décidément, ce métro, t'en es plus cassé, ce métro. T'en es plus cassé. Ce périple va prendre fin. Let's go. La station, les gars. Hello. Oh, il est là, il est en face. Oh, let's go, il m'a repéré direct. Allô, Pauline. Ouais, c'est bon. Les gars, je crois qu'il y a trop de mousse. Théma, comment ça bouge? Théma.
Il y a trop de mousse. Ah. Ouais, j'ai trop de mousse là, je vois plus rien. Un petit bonhomme en mousse. Attends. Let's go! It's here! Oh, let's go! Oh, let's go! Mais c'était pas la station de métro du coup, hein. C'était encore ailleurs. Hein. Ah, ouais, ça rigole pas. Je dis donc, sa mère. What the fuck? It's my bed? Ok. Ok, thank you. Ah! It's here. Ok. Can I take Ok, thank you. T'es mal, il y a des claquettes d'un mec que je connais app. T'es mal à la salle de bain, frère. Oh. Thank you so much. Ok, on va pas faire de bruit parce qu'en vrai, il y a des mecs qui dorment à côté. C'était lit superposé, c'est-à-dire il y a un mec en bas, un mec en haut, juste là, là, il y a deux. Et moi, je dors en haut d'un lit superposé. En dessous de moi, il y a un mec qui dort, frère. Puis un mec torse nu dans le lit où je vais dormir. Non, ça, c'est chaud. Oh. Ah ouais, là, c'est pas du 7 étoiles, hein. Oh. Ah ouais, non, là, c'est pas du 7 étoiles. Bon, les gars, bon. Mon bain moussant en nuage est terminé. Il est là, il est 1h du matin, il doit être tard. J'ai grave profité. Du coup, on va se sécher, tout ça. On va mettre de la crème et tout. Là, je me prends vraiment pour... Là, je fais tout ce que je ne ferais pas normalement. On va mettre un peu de lait. Voilà. Je sais pas si c'est du lait qui vient de la vache ou pas, mais... Oh, ça sent bon. Eau de toilette. Bon, je sais pas si ça sert à quoi, ça. Ça... Ah, eau de toilette. Aux toilettes. Ah ouais, mais vas-y, moi si je veux l'eau des toilettes, je prends celle-là. Non, aux toilettes, ça me tente pas trop. Toilette, c'est pas fait pour s'en mettre sur la tête, je pense. Faut que j'entretienne ma petite beubare. Là, je vais tester le Dyson, j'ai jamais testé. J'ai envie de voir si c'est de la frappe. Eh, c'est de la presse. Eh, la tête d'homme, c'est de la frappe, ça sèche trop bien. Putain, j'ai transpiré, mais non, mais là, je peux pas prendre de douche. Frère, la douche, elle est tellement sale que je vais prendre une douche, je vais être encore plus sale que maintenant. Je vais juste pisser, les gars, parce que j'ai une de ces envies de pisser depuis une heure. Une heure, je me retiens, je vais juste pisser. Et frère, je vais faire un dodo, je vais pas faire de bruit, je vais fermer ma gueule. Il y a même pas de papier toilette, gros, il y a même pas de papier toilette. Même pas de papier toilette pour laver la cuvette. Et imagine, j'ai envie de faire caca, je fais comment? Ah, mais c'est un jet d'eau. C'est un jet d'eau. Ah ouais. Attention, je vais tirer la chasse d'eau. Oh bordel. Allez, on brosse les dents là. Ça y est, frère, arrête. Je vais faire des ficelles. Comme par hasard, c'est quand tu dois faire le moins de bruit possible qu'il y a tout qui fait du bruit. Carrément, je prends pas ma douche pour essayer de pas faire de bruit, mais j'ai une brosse à dents électrique, je suis trop con. Oh putain. Encore plus de bruit. Bon bah les gars, c'est l'heure de dormir. Je me mets tranquille dans mon lit. Je vais éteindre la lumière. Ça fait bizarre d'avoir un miroir au-dessus de soi quand tu dors. Mec, ça fait vraiment bizarre. Ça va, c'est chaud. Y'a un mec qui ronfle. Oh putain. Le mec en dessous de moi, il est en train de bouger. J'étais mal à la couette. Elle est claquée, frère. Putain, l'hôtel 7 étoiles. Comment il aurait fait du bien à côté? A tout à l'heure, bande de gros BG. Wesh, frère. Je peux pas mettre la lumière. Les gars, j'étais en train de dormir. Je sais pas ce qu'il faut. Il y a des mecs qui se sont réveillés, ils sont en train de parler. Je comprends rien, frère. Putain, je sais pas il est quelle heure, gros, mais je suis encore fatigué. Là, y a tout le monde qui se réveille et tout, j'ai trop le seum. Il est 7h26, je vais encore essayer de dormir un peu les gars. Ça va être bientôt l'heure où y a tout le monde qui va se réveiller. Ah les gars, je viens de me réveiller. Qu'est-ce que j'ai passé de bonne nuit. Je sais pas comment était le réveil de Michou, je pense pas que c'est le même. Gars, regardez-moi la vue du réveil. Oh là 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 là.
Ah les gars, il faut le dire, mais deux jours, c'est magnifique. Hein. En plus, je vois la piscine là-bas, on va aller voir comment elle est. J'ai hâte de voir. Cet endroit, il est magnifique avec les palmiers et tout. Bah en vrai, j'ai dormi comme il faut. Juste, je me suis réveillé pas mal de fois pendant la nuit. Parce qu'il y avait des gens qui bougeaient, qui parlaient, etc. En vrai, j'ai bien dormi. Hein. Ok, on bouge les gars. Faut que je rejoigne Inox, faut que je prenne un Uber là. Et j'ai trop la flemme. Deux jours, ça claque. Hein. Oh là là, là les gars, on est en haut des chambres. Et là, il y a la réception en bas. Oh, Théma le machin. Et ma chambre, elle est là. Bon, les gars, là, je vais aller prendre mon petit déj. On va aller voir ça ressemble à quoi. Et voilà, on va faire un petit kiff. Manger des petits œufs. Let's go. Théma, le gars, il a un vrai sac et tout. Ça veut dire qu'il doit vivre ici, en vrai. Vu la taille du sac qu'il a, c'est qu'il doit vivre ici, frère. Putain, mais j'ai capté, en vrai, ça, c'est une chambre. C'est-à-dire, il y a plein d'autres chambres. Ça veut dire qu'il doit y avoir grave du monde, en vrai, dans l'hôtel. Et on était dans une chambre, les gars. Elle était, je pense, 5 fois plus petite que la chambre d'Inox. Et on était 15. Ah les gars, on est au petit déj là. Il y a une meuf avec une harpe en face de moi. Magnifique. C'est incroyable, jamais vu quelqu'un jouer de la harpe. Les gars, je me réveille avec de la harpe et un petit déjeuner vu sur la mer. Mec, c'est masterclass. Hein. C'est masterclass. Thank you, Charles. You're the boss. The boss. Thank you. Force de dire t'es le boss à tout le monde, on va plus savoir qui est le boss. Il est comment le petit déjeuner de Michou? Je pense pas qu'il va déjeuner là-bas. Ok les gars, regardez, petite omelette, protéines là pour ce matin et des fruits. Franchement, on est pas mal du tout, on va déguster tout ça. Oh, you have a nice life, madame. Thank you. Là, j'aime beaucoup ce que tu proposes, j'aime bien. Les gars, je viens de finir le petit déjeuner, je suis devant l'hôtel. Oh là là, enfin, vu du côté du coup, Théma, il y a quoi dans l'hôtel? Il y a un magasin Gucci. Dans le plus gros des calmes, il y a un magasin Gucci dans l'hôtel. Regarde-moi ça. Gaming YouTube. What? Yes. You know YouTube? Yeah. Really? Yeah, I do video, but I'm not living here. I'm French YouTuber. Oh. You subscribe to my channel? Not yet, but I don't know which one is the channel. You want the name? Yeah. Inox. Inox. Inox tag. Hello, you will subscribe? Yeah, I will subscribe. I hope you subscribe. Okay. Inox. Je viens de gagner 2 abonnés dubaïens là. Tu refais les gars. C'est vraiment incroyable. Bye. Regardez la piscine. Mec, comment ça rend trop bien l'image en plus. Piscine à débordement. Wow. Non, c'est réel. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Les gars, je suis en direction pour aller à la salle de muscu. Regardez-moi la vue qu'il y a ici. C'est un zga. Je sais pas, ça fait un style oriental un peu. Et là, regarde, je vais baisser la cam. Vous allez avoir le vertige. Frère, regarde le vide. Comment ça fait bader, gros. Attends, c'est ça la salle de sport? Non, pas possible. Il y a qu'un punching ball. Ah ouais, c'est là. C'est là. Bon, les machines, je sais pas si elles sont bien, mais par contre, la salle, elle est trop d'art. Regarde toutes les machines qu'il y a. Développé couché. Oh là là, si c'est pas incroyable ça, en plus, regarde la vue, mec. Oh là là. Aujourd'hui, les gars, ça va faire les pecs. Développé couché, normalement, moi, je vais le faire en incliné, mais là, je suis obligé, je vais le faire comme ça. Bon, les gars, j'ai fini ma séance. Je vais aller à ma chambre, je vais me doucher un petit peu et après on rentre à l'hôtel, Michou va venir me chercher. Et voilà quoi. Les gars, là je suis à l'endroit le plus haut de tout l'hôtel. Comment on est haut. On voit pas beaucoup mais regardez la vue. C'est magnifique. Les petits refs, il est là. Il est là le vaillant. Il est là, c'est lui qui a passé. Mec, je me suis battu frère. Mec, j'ai hâte de voir les rushs hein. Et moi j'étais là, j'arrivais, il était 2h du mat. Parce que, hey, gros, j'ai galéré à trouver le truc et tout. Oh, c'était là. Ah, mais ça veut dire que t'as galéré dans le métro et tout. Mais ouais, j'ai galéré dans le métro. Je me suis trompé de station de métro.
J'ai trop galéré, frère. J'entendais les mecs qui se réveillaient et tout pendant la nuit. Ça devait être horrible. En tout cas, j'espère que cet épisode 1 vous a plu. Je tiens encore une fois à remercier Rhino Shield. Les boss, ils nous ont mis trop bien. Merci Rhino. Sur ce, pile ou face, Michou ne sort pas de vidéo. Non, je rigole. Pile ou face, tu mets un pouce bleu. Avec ton thème ? Ouais. Non, nous on choisit quoi ? Nous, c'est nous on choisit. Okay. Ça tombe. Faut que les abonnés sinon, on gagne, les abonnés mettent tous un pouce bleu. Ok. Ils ont déjà mis. N'inquiétez pas, le téléphone va pas casser. Passe, let's go ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes des cracks intersidérales. Let's go !